طيب، on commence inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication de Kitab al-Tawhid, et on commence aujourd'hui un nouveau chapitre, le chapitre 4, qui s'intitule باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. C'est-à-dire le chapitre au sujet de l'invitation au témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans ce chapitre, il a mentionné un verset et deux hadiths. Donc on va lire ensemble et puis on va lire on va traduire ensuite, puis on va lire ensuite l'explication de ce verset et de ces deux hadiths. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit: wa qawlullahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin al-aya. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومعنى يدوكون أي يخوضون. Donc on a lu donc les deux hadiths ainsi que le verset. Maintenant on va traduire le verset. Le cheikh il dit: et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce qui signifie, dit au Muhammad: voici mon chemin, hein, j'invite à Allah, j'invite les hommes à Allah avec connaissance, ala basira. Et le verset continue: ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin.
hein, c'est-à-dire moi ainsi que ceux qui sont avec moi, ceux qui me suivent, et pureté à Allah, hein, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Hein. Donc ça c'est le verset. Ensuite, le premier hadith qui est mentionné, c'est selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit, hein, tu t'en vas vers des gens, hein, tu t'en vas vers un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les invites soit de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et dans une autre narration, il est dit, c'est-à-dire que la première chose à laquelle tu les invites soit d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils t'obéissent dans cela, alors apprends-leur qu'ils doivent faire 5 prières, hein, pendant le jour et la nuit. Et s'ils t'obéissent à cela, ou dans cela, alors dis-leur ou fais-leur savoir que Allah leur a rendu obligatoire, hein, une aumône, une charité qui doit être prise des riches d'entre eux pour être rendue ou distribuée aux pauvres d'entre eux. Et s'ils t'obéissent dans cela, alors prends garde de prendre les meilleurs de leurs biens, et prends garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre cette invocation et Allah. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'autre hadith, c'est rapporté selon Sahel ibn Sa'd. Et ce hadith, il est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim. Donc, Sahel ibn Sa'd, il dit, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Khaybar, il a dit, je vais donner la bannière à un homme demain qui aime Allah et son messager, et que Allah et son messager aiment. Et Allah va lui donner la victoire. Hein? Allah va lui donner la victoire. Alors les gens ont passé la nuit à essayer de se poser la question et à essayer de savoir, hein, à discuter, à savoir à qui le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, allait donner cette bannière. Puis le lendemain matin, tous les gens se sont dirigés donc vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et chacun d'entre eux souhaitait recevoir cette bannière, souhaitait être celui à qui elle serait donnée. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, où est Ali ibn Abi Talib? Alors on lui répondit, hein, il se plaint de ses deux yeux, c'est-à-dire il a un malaise dans ses yeux, quelque chose qui le dérange dans ses yeux, hein. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé pour qu'on le ramène, pour qu'on aille le chercher. Et lorsqu'il fut arrivé devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a craché dans ses yeux, et il a fait un dua. Puis, à ce moment-là, hein, le problème qu'il avait aux yeux est parti. Il a été guéri sur le champ. Et il lui a donc donné la bannière, puis il lui a dit, pars sur ta monture, jusqu'à ce que tu arrives, hein, devant leur l'endroit où ils sont, hein, l'endroit devant leur place, et appelle-les à l'islam, invite-les à l'islam. Invite-les à l'islam et informe-les de ce qu'il y a d'obligation pour eux vis-à-vis des droits d'Allah. Informe-les de ce qui est obligatoire pour eux comme droit, hein, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, je te jure par Allah que si Allah guide par ta cause un seul homme, c'est meilleur pour toi que les chameaux rouges. C'est meilleur pour toi que les chameaux rouges. Donc, le cheikh, il explique maintenant, cheikh Ibn Baz, ce verset et ces hadiths-là. Donc, on va lire l'explication ensemble avec lui. Qu'est-ce qu'il a expliqué?
Donc, le cheikh, il explique, il dit, « Hey, bab, wujub, fadilat, wujub ou fadilat al-du'a. Wujub, fadilat al-du'a ila shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah liannaha ukhtuha. فمراد المؤلف الدعوة إلى التوحيد وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا واجب على العلماء وفرض عليهم. Donc le cheikh il explique ici le chapitre, il parle de l'obligation et du mérite d'appeler au témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, et la raison pourquoi il a mentionné seulement le témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et ici, il rajoute, et ainsi que Muhammad est le messager d'Allah, parce que, yani, li'annaha ukhtuha, c'est-à-dire parce que c'est sa sœur, en voulant dire que ces deux témoignages, hein, ils vont ensemble, on ne peut pas les séparer. Donc quand on dit la ilaha illallah, ça implique également de dire Muhammad Rasulullah, même si c'est pas mentionné. D'accord? Parce que, comme le cheikh il l'explique, il dit qu'est-ce que l'auteur il veut dire, c'est que l'obligation d'appeler au tawhid, d'inviter les gens au tawhid et d'inviter les gens à suivre le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une obligation pour les ulama. C'est une obligation pour les ulama. Hein, et c'est un devoir pour eux, c'est-à-dire d'appeler au tawhid, c'est une obligation pour ceux qui ont de la science, pour ceux qui savent. Et le cheikh il explique ensuite, il dit wa hadha akhadahu al-mu'allif min al-kitab wa as-sunnah ka qawlihi ud'u ila sabili rabbik qul hadhihi sabili ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فالواجب أن يدعو الله فالواجب أن يدعو العلماء إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك معه وإلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به وترك مخالفته وترك مخالفته. Donc le cheikh il explique ensuite que donc l'auteur cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a pris la signification de ce titre d'appeler au témoignage de la ilaha illallah, il l'a pris de plusieurs versets dans le Coran et de plusieurs hadiths dans la Sunna, et il mentionne comme exemple des versets. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ud'u ila sabil rabbik » c'est-à-dire « Invite au chemin de ton Seigneur » ainsi que le verset « Qul hadihi sabili » dit « Ceci est mon chemin et ma voie » et la suite du verset c'est « Ad'u ila Allah »« Ana wa mani taba'ani » j'invite à Allah, c'est-à-dire j'invite à l'islam, j'invite au témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc ça prouve que ça c'est un devoir, une obligation. Et l'autre verset qu'il a cité, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et qui est meilleur en parole que celui qui invite à Allah, que celui qui appelle à Allah ?» C'est pour dire en fait qu'il n'y a personne qui est meilleur que celui qui invite les hommes à l'adoration d'Allah et à la ilaha illallah. Donc pour montrer en même temps l'excellence et le mérite de faire ça. Et ensuite le cheikh il explique que donc c'est une obligation pour les ulama d'appeler au tawhid d'Allah, à l'unicité d'Allah, et au fait de purifier notre adoration pour lui, et d'abandonner le shirk, d'abandonner le fait d'associer avec lui dans l'adoration quoi que ce soit. Et c'est une obligation aussi d'appeler à croire en le messager sallallahu alayhi wa sallam et de croire en ce qu'il a révélé, ce qui lui a été révélé, et de suivre ce qu'il a amené, et d'abandonner
tout ce qui contredit son ordre. Ensuite, le cheikh, il explique que quand il parle du verset que le cheikh a cité, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Donc le cheikh, il dit, الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أي قل هذه طريقتي ومحجتي التي أنا عليها من توحيد الله والإخلاص له وإيتاء الزكاة وغيرها وهذا هو سبيل الله وصراطه المستقيم وهو الإيمان والهدى والإيمان. Donc le cheikh il dit donc que ce verset, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, dis, ô Muhammad, voici mon chemin, hein, voici mon chemin, voici ma voie. J'invite les hommes à Allah. Donc le cheikh explique, il dit, ça c'est un discours pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça s'adresse au prophète ainsi qu'à sa umma. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sa umma. Et ça signifie, dis, hein, voici ma voie, voici hein, mon chemin, le chemin sur lequel je suis, hein, de croire en l'unicité d'Allah et d'appeler à l'unicité d'Allah et de purifier mon adoration pour lui seul, hein, et d'établir la pureté dans mon adoration pour lui, pour Allah seul, et de donner la zakat, et ainsi de suite. Parmi les principes et les règles de la religion. Et ça, c'est le chemin d'Allah et c'est son droit chemin. Hein, et c'est-à-dire l'islam, la guidance et la foi. Ad'u ila Allahi. La ila mulk, ou hadd, ou mal, ou sha'n min shu'un al-dunya, bal ila tawhid Allahi wa tiba'i shar'ihi. J'invite les hommes à Allah et non pas à une propriété ou à une portion de bien ou à une chose parmi les choses de la dunya. Non, j'invite plutôt les hommes à l'unicité d'Allah et à suivre ce qu'il a révélé. Ala basiratin, yani ala ilmin wa huda. Donc j'appelle les hommes à Allah, vers Allah, avec science, avec compréhension, avec guidance, avec connaissance et avec guidance. Ana wa man ittaba'ani. Ay atba'i kadhalik yad'una ala basiratin. Fa atba'uhu hum ahlul basair wal ulama' alladhina yad'una wa da'watuhum ala basira. ومن لم يدعو إلى سبيل الله من العلماء فليس من أتباعه على الحقيقة فأتباعه لا يسكتون ولا يدعون على جهالة كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة أي بالعلم وهذه هي وظيفة الأنبياء كلهم والعلماء والصالحين وهذا هو الواجب على من عنده علم ويدعو في كل مكان في المسجد وغيره ويصبر. Donc le cheikh il dit, donc les gens qui suivent le messager sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi ils invitent à Allah. Donc ceux qui sont vraiment hein, en train de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils invitent à Allah eux aussi, et ce sont les hommes de science et de compréhension, ceux qui invitent à Allah, hein, et qui appellent les hommes à Allah avec compréhension de la religion et avec science, tandis que celui qui n'invite pas au chemin d'Allah parmi les ulama, alors il ne fait pas partie de ses adeptes ou il ne fait pas partie de ses fidèles en réalité.
Donc si quelqu'un, par exemple, il a du ilm, il a de la science, il connaît l'islam, il connaît le tawhid, mais il n'invite pas à Allah, il n'invite pas au tawhid, il n'enseigne pas aux gens, hein, alors il ne suit pas réellement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, il dit, les gens qui suivent réellement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne vont pas se taire lorsque, hein, c'est le temps de parler et d'expliquer, de clarifier. Et ils ne vont pas non plus inviter les hommes à Allah avec ignorance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans l'autre verset, hein, invite au chemin de ton Seigneur avec hikmah, avec al-hikmah, c'est-à-dire avec ilm, avec science. Hein? Et ça, c'est le travail et la tâche des prophètes, hein, de tous les prophètes, de tous les hommes, les hommes de science et de savoir, ainsi que les hommes pieux. C'est ça leur devoir et leur obligation. Hein, ceux qui ont du savoir, ils doivent inviter les hommes à Allah. Et ils doivent inviter Allah dans tout lieu, à la mosquée et en dehors de la mosquée. Ils doivent faire preuve de patience. Il doit faire preuve de patience. Le cheikh, il dit ensuite, en ce qui concerne les deux hadiths, hadith ibn Abbas, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, lamma ba'atha mu'adhan ila al-Yaman, qala lahu ay awsahu, innaka ta'ti qawman ahlu kitab, ay falaysu juhalan bal indahum ulumun wa shubah, fanabbihu, فنبهه ليستعد لهم وليبلغ لهم أمر الله. Donc le cheikh, il dit que Abdullah ibn Abbas a mentionné que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit, hein, il lui a donné comme conseil, hein, en lui rappelant qu'il s'en allait vers des gens du livre. Donc pourquoi il lui mentionne que ce sont des gens du livre? Il dit, c'est parce que ce sont des gens qui ne sont pas des ignorants. Les gens, ils ont un livre avec eux, ils ne sont pas des ignorants. Et ils ont des connaissances et ils ont des choses qui peuvent te confondre ou des ambiguïtés qu'ils peuvent essayer de te mentionner pour essayer de justifier la fausseté sur laquelle ils sont. Donc il lui mentionne ça pour qu'il se prépare, hein, à les affronter et pour qu'ils soient capables de leur transmettre le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. قوله فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله اي لا تلتفت الى شبههم وعلومهم بل بلغهم التوحيد الى ان يوحدوه وان يخصوه بالعبادة دون غيره كالعزيز كالعزير وعيسى وأحبارهم ورهبانهم أو كالعزير وعيسى وأحبارهم ورهبانهم وفي رواية عبادة الله وهي تفسير لشهادة أن لا إله إلا الله. Donc le cheikh, il dit que la première chose à laquelle tu les invites soit de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc, le cheikh, il dit, ça veut dire que tu ne dois pas te tourner vers leurs ambiguïtés et vers les sciences et les connaissances qu'ils ont. Plutôt, concentre-toi sur le fait de leur transmettre le tawhid et de les inviter à unifier Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils le rendent, yani, qu'ils fassent d'Allah l'objet exclusif de leur adoration, c'est-à-dire qu'ils n'adorent personne d'autre que lui et qu'ils l'imitent et qu'ils rendent leur adoration exclusive à lui seul, hein? Et qu'ils cessent d'adorer autre que lui, comme par exemple Al-Uzair ou bien Isa ou bien yani, leur moine et leur rabbin, et ainsi de suite. Et il dit dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il les invite à
adorer Allah, c'est-à-dire à adorer Allah seul. Et ça, c'est l'interprétation et l'explication du témoignage de la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah, c'est ce que ça signifie, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, il explique ensuite, si il t'obéissent en cela, hein, c'est-à-dire ay akhlasu al-ibadata wa taraku ghayrahu قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات وهذا يدل على أن المشرك يدعى أولا إلى التوحيد فإن أجاب دعي إلى الصلاة فإن أجاب أقامها فإن أجاب وأقامها دعي إلى الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء وذكر الفقراء هنا وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف ولذلك بدأ بهم أي نعم ولذلك بدأ بهم في الآية إنما الصدقات للفقراء. Donc le cheikh il explique que ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit et s'ils t'obéissent en cela, c'est-à-dire une fois qu'ils ont accepter de purifier leur adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah et qu'ils délaissent tout ce qui est adoré en dehors de lui, alors dans ce cas-là, apprends-leur qu'ils ont à faire 5 prières obligatoires durant le jour et la nuit. Et ça, c'est la preuve que lorsque quelqu'un est dans le shirk, même si, hein, même s'il fait partie des gens du livre, il fait partie des gens du shirk parce qu'il adore d'autres que Allah, donc la première chose à laquelle tu dois l'appeler, c'est le tawhid. Et s'il accepte le tawhid, alors là, par la suite, tu peux lui enseigner la salat. Parce que ça sert à rien de lui apprendre la salat s'il n'a pas encore accepté la base qui est le fait de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc s'il a accepté la première chose qui est le tawhid, alors par la suite, là, tu l'invites et tu l'appelles à établir la salat. S'il accepte, hein? Alors il accepte de l'établir, de faire la salat, alors après tu vas l'appeler à faire la zakat et à payer la zakat qui est prise des riches parmi eux pour être redistribuée aux pauvres parmi eux. Et la raison pour laquelle ici il mentionne les pauvres, c'est parce que c'est la plus importante des 8 catégories qui sont mentionnées. Qui méritent ou qui peuvent yani recevoir de la zakat. Fa inhum ajabuk fa iyyaka. Donc il dit le cheikh que c'est la plus importante, les fuqara, c'est les pauvres, c'est la preuve que s'ils sont mentionnés à cet endroit-là, c'est la preuve que c'est la catégorie qui est la plus importante. Et même dans le verset, dans surat Tawbah, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les catégories des gens qui méritent la zakat ou qui peuvent recevoir de la zakat, Allah a commencé par la mention des pauvres, des fuqara. Donc, le verset dans, juste pour vous mentionner en même temps, le verset dans surat Tawbah, pour que vous sachiez c'est lequel. إنما الصدقات للفقراء. Okay. Ensuite le شيخ dit فإنهم أجابوك فإياك وكرائم أموالهم أي لا تأخذ الأموال الثمينة عندهم بالقوة بل الوسط لأن الأموال نعم فبالقوة بل لأن الأموال كريمة أو نعم لأن الأموال كريمة ومتوسطة ولئيمة إلا إن طابت نفسه بالكريمة فهو أفضل له. Donc le cheikh il explique ici, il dit s'ils te répondent et qu'ils acceptent la salat, s'ils te répondent et qu'ils acceptent la salat, alors prends garde de prendre les plus leurs biens
leur bien qui est parmi les meilleurs de leurs biens, ou bien leurs biens les plus dispendieux, ou leurs biens qui a le plus de valeur. Hein? Prends garde de prendre ce qu'ils ont de meilleur comme bien par la force. Donc prends plutôt ce qui est entre les deux, c'est-à-dire qu'est-ce qui est entre le meilleur et le pire. Tu prends ce qui est dans le milieu, car les biens, on peut les diviser en trois catégories: ce qui a le plus de valeur, ce qui est meilleur, ce qui est au milieu, qui est de qualité moyenne, et ce qui est de qualité plus basse. Hein? Donc toi, tu prends pas la meilleure qualité, puis tu prends pas non plus ce qui est de plus bas en valeur, mais tu prends ce qui est entre les deux. Il dit, excepté si eux-mêmes, de leur propre gré, décident de donner de ce qui est meilleur, de ce qu'ils possèdent, et ça, bien entendu, ce sera meilleur pour eux. Mais ce n'est pas une obligation pour eux de donner ce qu'ils ont de meilleur. Et il dit, وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ أي احذر أن تظلمهم فيدعون عليك فتصيبك دعوتهم ودعوة المظلوم مستجابة. وإنما اقتصر على هذه الأمور الثلاثة لأنها أهم الأمور، ومن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها من الحج والصوم وغيرها، لأنهم إذا استجابوا للأمور الثلاثة المتقدمة فإن إجابتهم عن إيمان وقناعة، فهذا الإيمان يدفعهم إلى بقية الشرائع، ولذلك اقتصر عليها القرآن اقتصر عليها القرآن. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي الحديث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. فإنهم أجابوك لذلك، فإذا يعني قبلوا ذلك فإياك ويعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالأصول الثلاثة هذه هي الأم. Donc le cheikh il explique par la suite que tu dois faire attention à l'invocation de l'opprimé. C'est-à-dire que fais attention de ne pas leur faire de l'injustice et de ne pas être injuste envers eux. Parce que si tu leur fais de l'injustice et que par la suite ils invoquent Allah contre toi, eh bien leurs invocations vont t'atteindre, parce que l'invocation de l'opprimé est exaucée. Donc ne leur fais pas d'injustice. Et pour quelle raison est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il s'est limité uniquement à mentionner les trois piliers dont on a parlé? Il a mentionné le tawhid, il a mentionné as-salat wa zakat. Donc c'est les trois choses qu'il a mentionnées seulement. Il dit, le cheikh, que la raison pour laquelle il mentionne uniquement ces trois choses, c'est parce que, en général, si quelqu'un accepte ces trois-là, il accepte le reste. Donc il dit, le cheikh, que s'il accepte ces trois choses, qui est le tawhid, la salat et la zakat, eh bien il va accepter le jeûne et le hajj également, parce que les trois choses
hein, s'il les accepte avec foi et conviction, eh bien cette foi va les pousser à accepter le reste. Et dans plusieurs versets, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne uniquement ces trois choses-là, hein, parce que ces trois choses-là sont la base. Par exemple, dans le verset dans sourate At-Tawbah, fa in tabu wa aqamu as-salah wa atu az-zakah fa ikhwanukum fi ad-din. C'est-à-dire s'ils se repentent du shirk, ils cessent de faire le shirk et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat, alors ce sont vos frères en religion. Hein? Donc ici on voit que il y a la mention seulement de ces trois, hein, de ces trois piliers là. De même que dans le verset dans Al-Bayyina, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, hein, et en lui rendant un culte pur, c'est-à-dire en rendant l'adoration exclusive pour lui et pure pour lui seul, en s'écartant du shirk et en se tournant uniquement vers Allah, et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat. Donc, on voit que ici on mentionne uniquement les trois piliers. Le tawhid. Wa alaykoum salam, barakallahu fik, na'am. Donc, d'établir le tawhid, ensuite de faire la salat et ensuite de donner la zakat. Donc, ça c'est un exemple. Puis, ensuite, l'exemple qu'il a mentionné, c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et qu'il fasse la salat et qu'il paie la zakat. D'accord? Donc ça c'est un autre exemple d'un hadith où il mentionne uniquement ces trois piliers là. Il mentionne uniquement ces trois piliers-là. Donc, c'est les trois fondements, c'est les trois bases, et c'est la fondation, c'est le fondement. Hein? S'ils acceptent ces trois piliers-là, en général, ils acceptent le reste. Ensuite, Cheikh il explique le deuxième hadith. Le deuxième hadith qui est rapporté selon Sahal ibn Sa'd. Il dit, ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعطين الراية غدا رجلا وخوض الصحابة في من يعطاها وتمنيهم لها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تعيين أن هذا الرجل بعينه يحب الله ورسوله يحب الله ويحبه الله ففيها زيادة فضل ومزية ولهذا قال عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. Donc le cheikh il explique, il dit que ce jour-là, en fait il mentionne ce jour-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais donner la bannière demain à un homme qui aime Allah et son messager, et que Allah et son messager aiment. Et les sahaba, ils ont discuté entre eux à savoir c'est qui, hein. Et ça c'est de deviner qui allait recevoir la bannière, hein, parce que dans la bataille, quand il y a une guerre, en général, il y a toujours quelqu'un qui porte la bannière, c'est lui qui dirige l'armée. C'est lui qui dirige l'armée. Donc, tout le monde souhaitait être cette personne, parce que tout le monde souhaite être celui que Allah aime, et ainsi que celui que son messager aime. Et tout le monde veut faire partie de ceux qui aiment Allah et son messager. Donc, tout le monde espérait que ce serait lui. Et c'est pour cette raison-là que les sahaba ont essayé de discuter comme entre eux pour savoir qui allait l'avoir, parce qu'il y a un surplus de mérite, hein, et une particularité dans la personne qui allait la recevoir. Et même que le cheikh il rapporte ici que Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a dit, je n'ai jamais souhaité ou aimé avoir le poste
de dirigeant ou d'être responsable, d'être gouverneur de l'armée, excepté ce jour-là. Excepté ce jour-là. À cause des qualités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionnées à propos de celui qui allait porter cette bannière. Puis il mentionne par la suite que Ali radiallahu anhu, c'est lui qui a été appelé le matin. Et qu'il se plaignait d'un malaise ou d'un problème aux yeux. Il avait mal aux yeux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craché dans ses yeux et il a fait une invocation. Et il a été guéri automatiquement. Il a été guéri automatiquement. Et il dit, le cheikh, قوله فبرئ يعني فيها من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهي آية من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة. Donc il dit, le cheikh, que ça c'est un des signes de la véracité du prophète صلى الله عليه وسلم. Et c'est un des signes parmi les signes d'Allah qui indique sa toute-puissance. Sa puissance immense. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a guéri directement. Quelqu'un, il avait, Ali radiallahu anhu, il avait un problème aux yeux. Il n'arrivait pas à voir bien. Peut-être qu'il avait une infection aux yeux ou quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste comme ça, il a mis sa salive, il a craché dans ses yeux, puis il a invoqué Allah, puis automatiquement il a été guéri. Et ça, c'est parmi les miracles d'Allah et parmi les signes de la puissance d'Allah. Il est capable de faire ce qu'il veut. Le cheikh il dit ensuite wa qawluhu ala rislik ay ala mahlik. Ala rislik yani unfud ala rislik, c'est-à-dire pars doucement et lorsque tu arrives devant leur muraille ou devant l'endroit où ils se sont installés, eh bien tu les invites à Allah. Il dit قوله وبساحتهم أي بقربهم ليكون أشجع للمؤمنين وأرهب للأعداء أما البعيد فيضعف الجند فيضعف الجند ويشجع الأعداء. Donc il dit quand tu arrives près d'eux, pas trop loin, proche pour que ça, on montre le courage des croyants et pour mettre la crainte dans le cœur des ennemis, parce que si tu te mets loin, ça affaiblit l'armée et en même temps ça encourage l'ennemi. Alors il dit wa qawluhu thumma ad'uhum ila al-islam walau kanu qad da'u aw du'u min qabl من باب إقامة الحجة وكمال المعذرة وهذا يدل على أنه ينبغي الاهتمام بالدعوة والحرص عليها قبل القتال ولو كانوا قد دعوا لعلهم يهتدون ويستحب التكرار إذا دعت الحاجة خاصة مع اليهود الذين يعرفون الحق ولكنهم يحبون الدنيا ويحسدون المؤمنين. Donc le cheikh explique, il dit puis invite-les à l'islam. Donc il dit ça c'est même s'ils ont été invités auparavant, parce qu'on sait que les gens de Khaybar, c'est les juifs de Bani Nadir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait expulsés à Khaybar. Ils étaient à Médine, il les a expulsés à Khaybar. Donc là il est parti pour les combattre, il les a appelés à l'islam auparavant, parce qu'on sait que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le combat, c'est que il commence toujours par inviter les gens à l'islam avant de les combattre. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit même s'il les avait déjà invités à l'islam, il les invite encore pour établir la preuve contre eux et pour enlever complètement toute excuse aux croyants. Et ça c'est quelque chose qui indique l'importance de commencer par le fait d'inviter à l'islam et de faire des efforts dans la da'wa avant le combat, même s'il les avait déjà invités à l'islam auparavant, parce que ça c'est quelque chose qui peut faire en sorte qu'ils soient guidés. Et c'est recommandé aussi de répéter l'appel à l'islam s'il y a une nécessité à le faire, s'il y a un besoin de le faire qui est particulier, surtout avec les juifs, parce que c'est des gens qui connaissent la vérité, mais c'est des gens qui aiment la dunya
et qui sont jaloux des croyants. Et il dit وقوله ففتح عيني ففتح عينه منقبة أخرى. Je pense que ça c'est une erreur, parce que ici dans le hadith c'est, il dit ففتح عيني, mais plus, pourtant c'est pas ça qui est mentionné dans le hadith, c'est يفتح فيفتح الله على يديه. Donc c'est ça. فيفتح الله على يديه. يفتح الله على يديه. نعم. منقبة أخرى لعلي. C'est-à-dire que c'est une autre chose qui fait partie des qualités de Ali radiyallahu anhu, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire contre ses ennemis là. Il dit wa qawluhu fa wallah la yahdi Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min humur an-ni'am. يعني خير لك يعني فيه عظم الدعوة إلى الله وأنها أهم من القتال بل هي المقصودة من القتال ولذلك بعثت الرسل. Le Cheikh il dit par ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit par Allah, je jure que si Allah guide par ta cause un seul homme, c'est meilleur pour toi. Et ici, le cheikh, il dit, on voit la grande importance d'inviter à Allah et à quel point c'est quelque chose qui a un grand mérite et que c'est même meilleur que le combat. Parce que, en fait, le combat a pour but d'inviter les gens à Allah. Donc, la da'wah, elle est plus importante que le combat. Hein? La da'wah, elle est plus importante que le combat, puisque le but du combat, c'est la da'wah. Et c'est pour ça que les messagers ont été envoyés. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh il dit ensuite wa qawluhu humur an-ni'am bi dhamm al-ha wa sukun al-mim wa yani jam'u ahmar wa bi dhamm al-ha wal-mim jam'u himar. Donc c'est ahmur, hein, ahmar ou al-humar ou al-him. Naam, wa muradan, falaysa muradan huna. Ok, c'est ça. Donc c'est humrun ni'am. Donc le cheikh il explique, il dit que le mot humrun ni'am, humrun ni'am, humru, avec le dhamma sur le ha et le sukun sur le mim, c'est le pluriel de ahmar, le pluriel de ahmar, c'est-à-dire le pluriel de rouge. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati qa'imah adi muhammadan al-wasila wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Na'am, donc humru ni'am, c'est humru. Humrun, c'est le pluriel de ahmar. Et si tu mets la dhamma sur le ha et sur le mim, humur, il dit ça, c'est le pluriel de himar. C'est pas ça qui est voulu ici. Donc c'est ça la petite différence entre les deux. C'est là, c'est le sukun sur le mim. Si tu dis humur, c'est le pluriel de himar. Himar, c'est les ânes. C'est pas ça qui est voulu ici. Ici, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est humru ni'am, c'est-à-dire pluriel de rouge, hein, les chameaux rouges. Il dit wal ma'na ay khayr khayrun laka min al-ibil thamina. Wa fihi bayan ahammiyat ad-da'wah wa ta'lim an-nas. Fa inhum abaw qutilu. ليكف شرهم ولا يكونوا عقبة في طريق غيرهم إلى الإسلام ويستعان بهم وبأموالهم في سبيل الله. Donc le cheikh il dit que la signification de cette parole, que c'est mieux pour toi que les chameaux rouges,
C'est-à-dire c'est meilleur pour toi que les chameaux qui coûtent le plus cher et qui sont les plus dispendieux, parce que c'est la plus grande richesse que possédaient les Arabes de l'époque. Et il dit, et il y a dans ça l'explication donc de l'importance d'inviter les gens à l'islam et de leur enseigner. Et s'ils refusent d'accepter l'islam à ce moment-là, donc ils sont combattus pour qu'on puisse les arrêter de faire du mal et pour que ce soit pour qu'il ne soit pas une embûche ou quelque chose qui empêche les gens de suivre le chemin de l'islam. S'il y a d'autres personnes qui veulent accepter l'islam, eux, ils ne vont pas les empêcher. Et il dit وَيُسْتَعَنْ بِهِمْ وَبِأَمْوَالِهِمْ. Donc on va les utiliser dans le sens que ça va nous, ils vont nous aider dans la propagation de l'islam ou bien dans dans leurs biens, dans le sentier d'Allah, ou bien avec leurs biens dans le sentier d'Allah. Donc ça c'est un des objectifs du fait de les combattre pour pouvoir ouvrir le chemin à ce que des gens acceptent l'islam. Et le cheikh il dit وقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لا مانع من أن يعم الحديث حتى المسلم العاصي. Donc le cheikh il dit, et c'est meilleur pour toi qu'un seul homme soit guidé que les chameaux rouges. Il dit ça peut même inclure le musulman qui fait les péchés, que tu l'invites à pratiquer l'islam, que ça aussi ça fait partie de la guidance, que si Allah te fait une cause pour la guidance d'un musulman, même si c'est un musulman, c'est pas juste pour le non-musulman qui accepte l'islam, mais c'est aussi pour le musulman qui est musulman mais qui commet des péchés, et que toi tu l'appelles à revenir à l'obéissance. Donc Allah te récompense aussi pour ça. Il dit ويجوز أن يباغتهم بالحرب إن بلغتهم الدعوة كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وإن تكررت الدعوة قبل القتال للمصلحة فلا بأس وفيه جواز القسم وإن لم يحلف لتأكيد أمر وقد يشرع ويستحب عند الحاجة لتأكيد أمر حتى يعلم المخاطب أنه حق. Donc le cheikh il explique que il est permis aussi de surprendre l'ennemi, de l'attaquer par surprise si la da'wa lui a déjà été transmise, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec Bani al-Mustalaq. Et si on répète l'invitation à l'islam à chaque fois, il n'y a pas de mal. Et la permission de jurer, si c'est pour une chose certaine, et que ça peut être parfois légiféré et recommandé lorsque c'est nécessaire pour confirmer quelque chose, et pour que la personne à qui on s'adresse sache que c'est la vérité. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine la suite de l'explication, inshallah, avec les masaïl. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.